Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la suite de Fairy la quête de 100 ans Deux semaines ont passé depuis le chapitre 160 et la victoire de Grey, qui s'était un peu démarquée du reste, et surtout avec l'obtention d'une nouvelle technique grâce à Yen, grâce aux illusions de Rage, l'un des membres de Fire and Flame, je vous rappelle, au cas où... Euh, voilà... J'ai dormi il y a deux semaines, mais j'ai quand même été revérifié le chapitre précédent histoire de ne pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas encore retenu tout le nom, tout le nom des personnages. Hein, vous m'en voudrez pas pour ça. Et euh, après, un, on va dire une un entraînement si on peut appeler ça comme ça, et surtout l'intervention de Happy et Carla qui ont plutôt bien géré la situation. On va pas se mytho, surtout que euh, Lucie était euh, et Wendy. Autant, autant dire les deux, étaient dans une mauvaise passe, elles ne savaient pas trop comment ça se sortir de cette situation, et surtout que le temps était compté hein, pour elle, puisque pendant qu'ils étaient dans l'illusion, ils étaient en train de brûler dans la vie réelle. Donc, euh, ils n'avaient pas trop le temps, et puis plus le temps passait, plus ça devenait dangereux pour eux. Et donc, grâce à Appy et Carla, essentiellement Carla, qui ont pris les choses en main, ils les ont libérés, et Rage a été mis hors d'état de nuire par Grey qui a d'ailleurs acquis une nouvelle technique hein, et qui l'a volée à Yen. Donc euh, je trouve le parallèle entre les deux mangas super cool. Réunion de flammes cette semaine avec ce chapitre 161 cover qui a évidemment fait euh, débat puisque euh, une majorité de la fanbase déteste Mest. Voilà pour une raison que je ne comprends pas trop. Peut-être parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, les gens détestent Mest parce qu'il croche Wendy. Moi, j'ai jamais trop compris euh, pourquoi est-ce que les gens pensent que Mest crush sur Wendy, sachant que le frérot, il doit avoir euh, 20-25 ans peut-être. Et euh, on n'a jamais vraiment senti une tension entre les deux ou quoi que ce soit, que le gars, il, est, il, il respecte Wendy ou quoi. c'est vrai que euh, depuis qu'il l'a rencontré sur, euh, sur Tenro, ou qu'il l'a invité en tout cas sur Tenro à l'époque de Tenro, euh, il y avait quelque chose. En tout cas, les gens pouvaient sentir quelque chose, mais jamais, ça n'a jamais vraiment franchi plus que ça, tu vois. Ça n'a jamais été plus loin que, que ça. Donc, je comprends pas cette, euh, cette, cette. Euh... Alors, Mess, il, il a fait foirer, euh, il a fait foirer une, une grosse partie de la, la, de la saga finale. Hein. C'est à cause de lui qu'il a pas pu y avoir de grosses discussions avec Auguste. Hein. C'est essentiellement de sa faute si euh, cette chair... Euh, c'était. Alors, c'était qui c'était Brandiche hein, qui avait planté euh, Auguste, mais euh, sinon, euh, je veux dire, à part ça, euh, je vois pas trop euh, quelle haine viscérale ont en gens envers lui. Enfin, c'est peut-être juste moi qui passe à travers tout ça, hein. Et, heureusement que je passe à travers tout ça, Parce que sinon je comprends pas trop euh, ce pourquoi Best est autant détesté. Je l'apprécie pas plus que ça, non, moi non plus, hein, mais pas pour les mêmes raisons que vous, voilà, je, je sais pas, hein, je comprends pas, mais c'est pas grave, hein. Hein, je, je préfère rester de mon côté, ne me tapez pas dessus. Hein. Moi gentil, moi ne pas, euh, moi, moi, moi ne pas rentrer dans la polémique, s'il vous plaît. <laughs> Soyez sympa avec moi. Le partenaire qui était faux, maintenant il est vrai. Non. Ça c'est non, ça c'est N A N. Non. Va te faire foutre. Ok. Passons. Rage a été vaincu. Grey il fait le, il fait le malin. Surtout parce que les, les vêtements de Wendy et Lucie, pour le fan service totalement gratuit, ont brûlé. Mais c'est c'est gagné. C'est qui ce type? Un membre de Fire and Flame. Il utilisait le feu pour, mont pour montrer des illusions. Ils, ut ils utilisent tous la magie de feu. Un, un, ta un tas, un de natsu, un tas, euh, un tas. Euh, C'est peut-être une abréviation, mais je comprends pas. Tu me donnes la chair de poule, Wendy. Tu, je, je serais happy si les natsu se multipliaient. Je comprends pas tout ce qui se passe. Ce serait pas le cas. Si seulement j'avais encore Aquarius. Ah! Donc on nous remet ça, j'ai vu passer cette petite case sans, con, sans contexte. Et donc visiblement, when, euh, Lucie commence à se poser de plus en plus de questions en ce qui concerne la clé d'Aquarius. Et moi, ma, 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 mon pressentiment, je le disais déjà, il euh, y en a qui disaient, oui, euh, la quête de la clé d'Aquarius, ça pourrait être un arc post-générique euh, post euh, ou post-crédit à l'univers, genre, ils, ont fini, ils en ont fini avec la quête de 100 Ans, et Lucie part en solo ou avec la team pour chercher la clé d'Aquarius. Eh ben, j'en je, parlais il n'y a pas si longtemps que ça, revenez peut-être sur les reacts les, les précédentes, pour moi, sachant que plusieurs des arcs de Fairy Tail se sont étalés sur je ne sais combien de chapitres, je pense à toute la saga avec Selene, on n'a pas affronté Selene tout de suite. On a étalé ça sur plusieurs mini-arcs ou plusieurs aventures intermédiaires. Pour moi, il y a clairement moyen, avant qu'on qu affronte Igna, qu'on ait en, au milieu de tout ça, la, la quête de la clé d'Aquarius. Elle sent qu'elle en a besoin. Elle, elle le dit là, si seulement j'avais encore Aquarius. Ça veut dire qu'Aquarius lui est nécessaire et qu'elle lui manque cruellement. Donc pour moi, il y a clairement moyen qu'au milieu de tout ça, genre Wendy ou euh, plutôt Lucie, excusez-moi, je me suis perdu dans mes explications, que Lucie s'éclipse de tout ça, et part chercher de son côté la clé d'Aquarius pendant que eux fassent leur recherche, et tout, et tout, ou bien qu'il y a quelqu'un euh, de la guilde, ou genre euh, Erza, ou Wendy, parce que je parlais de Wendy à l'instant, c'était peut-être pour engager tout ça, euh, Wendy l'accompagne dans sa quête pour chercher la clé d'Aquarius, je sais pas, avec son flair, elle pourrait l'aider à trouver des indices, ou je ne sais quoi, pour moi, il y a moyen que la clé d'Aquarius soit justement une des, un des accomplissements de cet arc final, que, que je considère à juste titre comme l'arc final, puisqu'il ne reste qu'un seul dragon à vaincre. Ça pourrait être la, la libération, le point de corde, c'est-à-dire que tu t'y attends le moins, et là, Lucie revient avec la team. Elle, est, elle était un peu mise de côté et disparue. Elle était partie chercher la, la clé d'Aquarius, on ne savait pas trop où est-ce qu'elle était passée. Et elle revient avec la clé d'Aquarius, elle sauve un peu tout le monde, elle sauve la situation au moment où tu, où tu sais où tu sais que la guilde va galérer un peu plus face à Igna ou face à Fire and Flame de manière générale. Tout le monde va avoir son combat, ça, tout le monde le sait. Mais c'est là où tu t'attends le moins et genre, t'as Lucie qui déboule de nulle part et qui revient en mode j'ai retrouvé la clé d'Aquarius. Et plus tard, après la fin de tout ça, on nous fait une rétrospective de tout ce qui s'est passé pendant qu'elle bon, pendant, pendant qu l'a recherchée. Genre, elle, elle est croisée brandiche à nouveau et qu'ils aient fait équipe, etc., etc. Ça pourrait servir de ça pourrait, ça, ça pourrait servir d'épilogue, tu vois. Mais pas d'arc supplémentaire pour rallonger artificiellement le manga. Ça ne sert à rien, ok Moi, c'est juste mon idée. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que ça, un, sincèrement que ça pourrait en faire partie hein. intégrante de cette saga finale. Que je considère en, encore une fois comme cette saga finale. Mais Mashima peut nous surprendre à, à juste titre en termes de scénario. Il peut totalement rallonger le manga à son envie sans que ça devienne trop chiant, tu vois, sans que, sans que ça devienne trop lourd à suivre euh, scénaristiquement parlant et que ça ne ruine pas toute l'avancée du manga, dire que ça vienne pas en plus et que, ça ne soit, que ce soit inutile au niveau du lore ou de quoi que ce soit, faut que ce soit dans une continuité propre au, au scénario, tu vois. Mais je diverge un peu. Continuons. Qu'est-ce que c'est que ça Donc il y a une explosion. Ça vient du port. Ah, c'est Erza. Bah oui, c'est Erza. Excusez-moi, pardon, j'ai oublié. Erza se bat hein, sur le port avec le mec en armure. Euh, je sais déjà plus comment il s'appelle. Hein. Mais pour l'instant, c'était assez, euh, assez équilibré entre les deux. Hein. C'était 50-50. Hein. Allez, dépêchez-vous. <laughs> Tout le monde y va. Attendez. Laissez-nous nous habiller d'abord. Bah oui. Oui, effectivement. Ah, mais il n'était pas... Il n'était pas encore... Euh... Ah, ils, ils sont complètement cons. Ça, ça... Ça, ça, ça par contre... Ils s'étonneront pas qu'à un moment donné, il y a un retour de karma. C'est Le mec, il est à terre. Il pense en avoir fini. Mais à aucun moment, les mecs, genre, ils prennent son corps ou ils le ligotent ou je ne sais quoi. Ils le laissent juste là. Genre, c'est bon, on l'a vaincu. Aux FTR, allez, on passe à la suite. Mais le mec est, est par terre, là. Je ne sais pas, euh, livre-le aux autorités. Euh, c'est une guilde criminelle, Fire and Flame, je sais pas. <laughs> Donne-le -donne à la police, je sais pas. Non, non, vous le laissez sur le sol et puis vous vous barrez. Mais vous étonnez pas que derrière, il y, a, il, y a un, il y a un match retour. Vous le faites exprès. <laughs> c'est pas possible. Ce manga nous prend pour des abrutis. C'est pas possible. Ils le font exprès. Ça me saoule. Ils font exprès. C'est littéralement fait exprès pour qu'il y ait un match retour. Ils le veulent, le match retour. C'est obligé. Ils peuvent pas faire ça inten intentionnellement, quand même, de le laisser par terre. Et puis, hop, on se barre. Et puis, oh, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il est là. De toute façon, il, il est plus dangereux. Puis le mec, en fait, il a juste pris les infos, il faisait, il faisait genre qu'il était euh, tombé dans les pommes, puis il a pris toutes les infos dont il avait besoin en ce qui concerne la clé d'Aquarius, et tout, et Wendy, et machin, et truc. Le mec, il a pris masse d'infos, et puis, euh, personne n'a capté. Ça dérange personne. Ce manga est vraiment un manga de Gaulemont. Pardon, hein, c'est totalement gratuit, là. Je balance ça, j'ai pas honte. Parce que franchement, à un moment donné, scénaristiquement, si tu veux que ça se tienne debout... Attache le mec ou embarque le avec toi. Fais le prisonnier. Ne le laisse pas par terre. À un moment donné, merde quoi. Vraiment, vous, vous faites exprès. C'est, c'est juste agaçant quoi. Vraiment, à un moment donné, j'ai plus de retenue. C'est juste agaçant quoi. Bon, cette chère Erza, du coup, qui avait, euh, qui avait euh, enfilé la tenue de la prêtresse des flammes. Mais qui visiblement a décidé de mettre l'armure des fées. Ouh Alors je sais plus si c'est... Alors l'armure des fées. Moi j'ai confond... je, je confonds toujours l'armure des fées et l'armure arm... des destinées. Hein, qui est son armure finale, là, euh, qu'elle a utilisée euh, peut-être 2 trois fois. Alors je crois qu'elle l'a utilisée une fois euh, contre Minerva à... lors des grands jeux. Et je ne sais plus si elle s'en est servie à Tartaros, l'armure des destinées. Ou c'était l'armure des fées qu'elle s'est servie contre... Euh contre, euh, contre euh, l'un des membres de Tartaros, j'ai oublié. Je ne sais plus, je ne sais j'ai déjà oublié le nom de la meuf de Tartaros hein, qui l'a euh, qui l'a torturé. Excusez-moi, euh, là je suis fatigué. <laughs> Mais bon, elle enfile l'armure des fées. C est, c est tout ce qui nous c'est tout ce qui nous importe. Elle enchante son épée d'ailleurs, c'est marrant. Magie de corps céleste, enchantement. OK, épée des fées. Étoile filante, ouh mais c'est que c'est stylé, mais c'est que ça ne marche pas du tout. Il a complètement paré son attaque. Euh, Hensatsu Ken. épée du roi suprême, tueur de flammes, oh là là, c'est stylé. Et il explose tout le port, ah ouais, ok, il n'était pas à fond. Ah oui, il vient de pulvériser tout le port, il en reste rien. Et Erza a pris très très cher, il a éclaté l'armure. Ah ouais, non mais mec, ok, il se donnait pas à 100%. Il se donnait pas à 100% et, et Erza a complètement perdu son armure d'effet. Non, c'est quand tu es nu que tu es la plus forte. Je sais. Hein Avec seulement ta tenue Akama. La tenue Akama. La tenue Akama. Et c'est vrai qu'il a l'air plutôt bien renseigné sur Erza, le frérot. Arrêtez, arrêtez à un moment donné, je vais finir par croire que le mec est vraiment, est vraiment lié à Erza. Si c'est vraiment... Si. Si le fantasme des mecs sur internet en mode LOL c'est le père d'Erza ou LOL c'est Simon et que ça s'avère être l'un des deux, je vais péter un câble. Vraiment. Ne me, ne... Mashima ne nous prend pas pour des cons. Ne nous fait pas languir sur la, la véritable identité de ce mec. Il a juste un casque, il se cache. Je sais pas, Erza fait voler son casque, qu'on voit son visage et qu'on soit sûr et certain de que, que ce soit pas l'un des deux. Parce que ça va me faire cringer là. À un moment donné, ça va juste me m'énerver qu'on sache pas qui c'est. Et à un moment donné, tu as tout le monde qui continue à se faire des pauses d'idées sur qui est vraiment derrière le le, le, le masque de ce gars-là, qui a l'air vachement renseigné sur Erza, qui en sait beaucoup trop... Regardez, le pandémonium écraser le désespoir écarlate et vaincre les sœurs Signario. Le mec qui dansait beaucoup trop sur Erza, c'est abusé. Le mec il sait tout sur elle. Par contre, il a l'air d'avoir vu tous ces combats. Et c'est vrai que... Ces combats ne se concernent qu'une tenue, la tenue Akama, cette fameuse tenue avec le pantalon rouge et, son, et le, le, les bandages autour de sa, autour de sa poitrine. C'est vrai que c'est la tenue quand même avec laquelle elle a gagné le plus de ses combats, dont le Pandémonium. Effectivement, vaincre alors le Désespoir Écarlate. Effectivement, c'est vaincre vaincre aileen mais elle en a gagné plus d'un d'un combat. Hein. Je veux dire, à chaque fin d'arc, c'est la tenue qu'Erza revêt, que ce soit contre Azuma, que ce soit lors de la tour du paradis, que ce soit bah, là, euh, du coup, à, au grand jeu intermagique. Euh, en fait, même à Tartaos, d'ailleurs, c'est la tenue finale qu'elle a arborée. Et même pendant l'arc final, c'est l'armure qu'elle a revêtue, hein, contre, que, du coup, contre Eileen. Voilà, je veux dire, je l'ai en, en face des dieux, donc. Euh, je face des yeux, donc pourquoi je, 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 je perds mon temps à réexpliquer. Mais c'est vrai que c'est quand même la tenue qui lui sied le plus. Ce mec est beaucoup trop renseigné sur elle. Beaucoup trop. Tu vas me dire qu'il a donc... Alors, soit, soit il arrive à lire dans les souvenirs d'Erza. Ou soit il était présent lorsque Erza a, 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 fait, a fait tout ça. Ce qui me semblerait très bizarre quand même. Tu es certainement la meilleure épéeiste, Dishgar. Mon épée pleurera si, tu n... si, elle ne te... si je ne te découpe pas. Ok, maintenant allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette merde un oiseau de feu? Fireboo, Oui, Weedy, Weedy, un oiseau, un oiseau de feu. Il s'est écrasé. Attendez, elle a remis son armure là ou c'est moi? Attendez, elle était censée être en morceaux son armure là. Pourquoi? Est-ce que ah non, elle était juste cassée. Excusez-moi, j'ai cru, cru que vraiment elle avait plus d'armure du tout. Elle est, elle est juste, elle est juste brisée à quelques endroits quoi. Oh Qu'est-ce que c'est que cette merde Un petit oiseau de feu mm -hmm. Miss Fortune Dono Ok, Miss Fortune. Bon, Dono, c'est le... Comment on appelle ça C'est le... Merde, j'ai oublié comment on appelle ça. C'est le... Merde C'est le... comme le Kun, le Chan... Euh... C'est les, les petits termes qu'ils mettent derrière. Dono. Donc ça veut dire qu'il a du respect pour ce piaf <laughs> Euh, J'ai oublié comment on appelle ça, ça me reviendra, vous inquiétez pas. Euh, Miss Fortune, c'est vrai que Miss Fortune. Et pourquoi, pourquoi, il la fait, pourquoi il l'appelle Firebou? Ah. Alors il, il se donne peut-être juste des noms de code, alors je sais pas, je me fais peut-être des idées. Hein. J'ai un, un message pour toi, Weedy. Ah Weedy, c'est pareil, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Hein. Tu dois rentrer à la maison. Ça commence plutôt qu'on ne le pensait. Ça commence plutôt qu'on ne le pensait. Un chat? Euh, ouais, c'est vrai qu'il ressemble plus à un chat. Ouais, effectivement. Hey Yerza, je suis Miss Fortune. Enchanté de te rencontrer. Happy ah, fait de cheveux, c'est vrai, j'avoue. J'avoue. Non, si c'est le cas, c'est une raison de plus pour moi de régler ça pendant que j'en ai encore l'occasion. Let's go, oui. Rappelez-vous que, que Datsu a été capturé et ramené de force au château. On va avoir une confrontation Higinya face à Natsu. Oui, 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 oui. Oui. <laughs> Let's go. Château du Dieu du feu. Nous l'avons amené, Igna Sama. Il était chaud. Oh là là, Igna face à fou Incroyable. On va avoir le droit tout de suite à un affrontement ou bien on va avoir juste le droit à une discussion pour l'instant Qu'est-ce que vous croyez faire, bande d'idiot Très bien, je vais me battre contre vous trois. Venez à, venez à moi tous ensemble. Et voilà Oh là là Bienvenue dans mon château, Natsudang. Excusez-moi, je vous la refais. Bienvenue dans mon château, Natsu Dragnir. Ignia Oh là là, incroyable. Alors, je pense pas qu'on ait tous les membres de Fire and Flame encore réunis, hein, puisqu'il en manque. Mais du coup, on en a une petite partie ici. Je t'ai convoqué ici pour te donner une dernière chance. Hein Natsu Dragnir, le mage que mon père Ignir a jugé digne de son attention. Veux-tu te joindre à nous Oh oh oh, il perd pas, il perd pas le nord. Hein. Il y va direct, hein. Ah ouais, puisque c'est un utilisateur de feu, et que sa guilde, Fire and Flame, tous les mecs utilisent le feu, euh, peu importe la manière, c'est donc une proposition plutôt logique, j'ai envie de vous dire. Quoi La fête du roi dragon va commencer. Je te permettrai de te joindre à nous pour l'occasion. La fête du roi dragon mmh, C'est vrai qu'on connaît ça. C'était l'attaque des dragons avec la porte d'éclipse à la fête du roi dragon et c'était aussi lié à Agnologia, d'une manière ou d'une autre. Mais il y avait toujours un, un rapport avec un dragon. Et là, par contre, pas celui que tu connais. Oui, appelons celui-ci la vraie fête du roi dragon. Ah. Rejoins-nous, Natsu. Détruisons les humains ensemble. Et lui met un coup de poing dans la gueule direct. Et évidemment, ça ne lui fait rien. Tellement logique. Ah, je vois. Tu es l'un des humains que nous allons détruire. Oh 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 oh. Et il n'a pas perdu le nord non plus pour lui dire directement, bon ok, tu veux pas nous rejoindre, ça c'est bon j'ai compris. Du coup, je vais t'éclater ta grand-mère. <laughs> Pardonnez-moi, c'est sorti tout seul. Mais c'est littéralement ça, tu vois. Il lui a dit, tu, me, tu nous rejoins Nasu lui a mis un gros, un gros coup de poing de, de, de feu dans sa gueule. Il lui a fait, ah d'accord. Bon bah du coup je te... du coup du coup bah t'es mort. Voilà. <laughs> Genre, même pas, il lui dit, allez « Allez Natsu, rejoins-nous, tu déconnes là !» Tu sais, il lui donne même pas une deuxième chance. Ah, il lui a donné une deuxième chance, c'est ce qu'il dit. Ah, c'est ce qu'il dit littéralement au début du chapitre. « Je t'ai convoqué pour te donner une dernière chance. » Natsu lui a mis un coup de poing dans la gueule, donc il a pris ça pour une provocation. Bon, bah du coup, euh, Bah non. Bah du coup, tu, tu vas mourir. <laughs> ça me tue de rire. À quel point il est arrogant de... Mais il a, il, il a raison, il a le droit de l'être, Igna. Par son charisme... Déjà d'une chose, mais parce que le mec, il pète la classe. Et il a toutes les raisons du monde de péter la classe comme ça. Et de répondre ça, en fait. Tu es donc l'un des humains que nous allons détruire. C'est tu sais, le mec, il est sur son trône comme un roi. Oh, quelle classe, mais quelle arrogance. Et c'est tellement cool. Il a tous les droits. On lui octroie tous les droits. Ce mec a le droit de, de péter la classe comme ça. On s'en fout. Il est juste trop bien, ce mec. Et ce combat final, qui ne sera probablement soit pas pour tout de suite, soit on va en avoir peut-être une intro microscopique introduction tout de suite, hein, à moins que Natsu soit euh, éjecté du château en mode Bon, bah du coup, tu veux pas nous rejoindre Bon, bah j'ai plus besoin de toi, ou bien je t'éclate sur le champ, ou Natsu arrive à s'échapper pour une raison ou pour une autre, ou je ne sais de, de pardon, par je ne sais quel moyen, euh, et, et ou bien euh, tous les autres vont le rejoindre petit à petit, mais en fait. Étrangement, ça a l'air de se diriger vers la fin, tu vois Ça a l'air vraiment de se diriger vers le combat final. Natsu n'a d'ailleurs pas l'air de lui faire quoi que ce soit. Ce qui peut signifier d'une manière ou d'une autre que soit Natsu a besoin d'un entraînement, soit clairement qu'Ignia... Parce qu'Ignia, excusez-moi, je me corrige, je continue ma phrase. Parce qu'Ignia est intouchable parce que ça ne lui a rien fait. Hein. Le point du dragon de feu là, qui lui a mis en plein visage, ça ne l'a servi à rien. On voit clairement sur cette dernière case que ça ne lui a rien, foutre, ça ne lui a rien fait du tout. Donc Natsu n'est pas à la hauteur et donc il va falloir quelque chose un élément scénaristique ou un bullshit sorti du fin fond du trou du cul de Machima pour, pour pour que Natsu parce que ça sera Natsu hein, soyons honnêtes vous et moi euh, ça fait euh, bientôt euh, ça fait quasiment autant de temps que Zero, qu zero que que est publié ça a commencé un peu après feritel mais ça faire quasi autant de temps que Fairy est, euh, est, est publié. Ça fait donc plus de 5 ans que le manga est publié, je crois, hein, sans, 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 sans vous dire de bêtises. Hein, ça doit faire soit bientôt 5 ans, soit 5 ans passés que le manga est publié. Vous n'allez pas me faire croire que Mashima ne va pas sortir un bullshit du fin fond de, son, de sa tête là. Tu sais pas comment il va le sortir son, son bullshit, mais il va finir par le sortir. Hein, tout comme Natsu a réussi à vaincre le dragon de l'or là. T'expliques ex pas comment il l'a vaincu, mais il l'a vaincu parce que scénario, parce que parce que même parce que c'est Natsu. Voilà. Ah, ne cherchez pas la, la logique quand il n'y en a pas. C'est comme ça, c'est fairytale. Mais on s'amuse, on, on kiffe. On kiffe parce que c'est fairytale. Il ne faut, faut pas chercher la petite bête hein, parce que Sinon, on va, se, on, va, on va se creuser le cerveau. Quand c'est Fairy il ne faut pas trop se creuser le cerveau. Quand c'est Eden Zero, encore, quand on cherche les, les, petits, euh, les petits clins d'œil euh, historiques et les petits trucs cachés par Mashima, je veux dire, on l'a suffisamment fait pendant euh, plusieurs années, et les, les derniers mois qui ont resté grâce à Sam, et ses multiples recherches aussi, hein, on peut que le remercier pour ça, euh, même si je ne suis pas du tout sur le même sujet de vidéo, là, excusez-moi, je digresse un peu, mais euh, pour Fairy Tail, on n'a pas besoin de ça. Parce que le manga est loin d'être compliqué à comprendre. En tout cas pour la quête de 100 ans, peut-être un peu moins pour l'œuvre originale euh, qui a, euh, on va dire, un peu plus de recherche niveau scénario et qui t'introduit des trucs pour la suite, qui fait des forts shadowing et des machins. Là, la quête de 100 ans, euh, pardonnez-moi, mais euh, niveau lecture, un enfant de 5 ans comprendrait tout ce qui se passe. Donc euh, voilà, c'est pas une critique. Hein. C'est juste que le niveau de lecture de Fairy la quête de 100 ans, est d'une simplicité sans pareil. -dire, tu, sais, tu, tu parviens même à... À parfois en avance pouvoir deviner très facilement ce qui se passe après. Parce que c'est logique, parce que c'est Tail, et parce que Fairy Tail ne se prend pas la tête à faire des trucs trop compliqués. Mais voilà, que voulez-vous hein On se donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite. J'étais un petit peu aigri pour ce chapitre. Oh, je suis désolé, excusez-moi, c'est la fin de journée. Et c'est ce qui va être très drôle parce que ça va être le premier, la première vidéo de la journée. Là, vous allez avoir une, vidéo, une, une journée full Machima. Vous commencez par du Tail, vous enchaînez avec du Eden Zero cet après-midi, et en fin de journée, vous avez des drogues. Oui, messieurs, dames. On est sur une journée full machima, et je commence par être aigri dès le début de la journée. Excusez-moi, <laughs> ça risque de pas être mieux avec Eden Zero, mais vous en faites pas. Il y a des drogues qui arrivent derrière, ça va être un peu mieux, vous en faites pas. On, fait, on commence par du moins bien, on est sur un du un peu mieux bien, un peu mieux, parce qu'un peu mieux bien, ce n'est pas français, et on finit sur du bien, voire très bien. Donc, on augmente gratuitement. Ce chapitre n'est pas mauvais, mais je fais mon aigri. Voilà, je fais mon aigri de manière totalement gratuite. Et pour finir la journée, vous aurez une très bonne review du chapitre 12 ou 13 de Dédroc pour clôturer votre journée en toute beauté. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour la suite et le chapitre 162. Ciao tout le monde.